Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Bien, donc les fermes, j'aimerais les réaménager. J'ai fait les fermes à la va-vite. Hein. Franchement, je pense que les fermes au milieu ici, là. Quatre fermes au milieu ici, ça serait le top. Donc ce que je vais faire... c'est que je vais enlever tout ça de champ pour planter mes fermes. Ah oui. Faut que je rase. Faut que je supprime les ressources, malheureusement. Donc là, mon tournesol commence à pousser. J'ai de la nourriture, j'ai les carottes qui ont déjà poussé aussi. Et là maintenant mes types, je vais leur dire de continuer à rester en plantation parce que logiquement, je suis censé pouvoir bien récolter tout le temps. Mes érables commencent également à pousser et ça c'est une bonne nouvelle pour moi du moins parce que ça veut dire que ben un érable c'est 8 planches quand même, donc c'est pas rien et ça fait extrêmement plaisir. Et donc là, avec ce barrage, toute ma zone ici devrait rester totalement hydratée lors de la prochaine sécheresse. Je ne devrais même plus ressentir la sécheresse pendant quelques temps. Ça me permettra, ça va me donner le temps de faire les choses, quoi. Ah, il me manque un. Allez, il faut dégager cela là. Parce que je compte construire les fermes ici, peut-être. Ici ou ici? Plutôt de ce côté. Hein. Ici. Ici. Et ici et ici. Ok. J'aimerais attribuer une plus grande priorité à ça, s'il vous plaît, messieurs. J'ai besoin de détruire ces trucs-là rapidement, merci. Et merci. Donc là, maintenant que j'ai mes fermes, je suis vachement drôlement bien. On va faire un chemin ici. On va faire un chemin ici. Afin d'accélérer leur truc. Et là, maintenant, je vais pouvoir vraiment produire des champs corrects, quoi. Je vais pouvoir faire des patates ici. Je vais pouvoir faire plus tard du blé. Là ici, je vais pouvoir refaire des carottes. Pourquoi pas? Aux deux là, bah ils dégagent. Hein. Donc carottes, patates. Là-haut, je vais pouvoir me mettre un vrai champ de tournesol. Et ici aussi pour le moment. Et là, ces champs-là, ben, je vais pouvoir les abandonner parce qu'ils sont trop loin. Ces champs-là, je vais les abandonner. Par exemple. Pour l'instant, je vais construire une cinquième ferme, je pense. Quoique non, 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 je vais attendre. Regardez, vous voyez, les rondins que j'avais là, ils sont épuisés déjà. Les rondins que j'avais sont totalement épuisés. Alors, je peux pas mettre les trois en plantation, donc j'en ai laissé un à récolte, parce qu'en termes de nourriture, on est un petit peu limite. Mais pour le moment, ça va. Maintenant que j'ai accueilli à 30 habitants, il faudrait également que j'augmente mes stockages d'eau, parce qu'on sait jamais, hein. Un accident est si vite arrivé.
Et donc avec le grill également, je vais pouvoir griller les patates. Donc je vais pouvoir ici faire un grill à l'occasion. Qui va me permettre de griller les patates directement. Et donc il va falloir que je construise d'autres entrepôts, etc., etc. Pour pouvoir entre guillemets griller les patates, quoi. Ça y est, ça commence à pousser et ça fait plaisir. Là, la production de bois, elle va exploser ici. Et ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'avec 4 fermes entre franchises, j'en ai assez pour le moment. Ça y est, la sécheresse arrive, vous voyez. Et donc, on va voir combien de temps ici ça tient par rapport à ici. Si ça tient plus longtemps qu'ici. Si ça a le temps de se vider, bien sûr. Hein. Si ici ça se vide avant ici, je casserai le barrage là. Je ne conserverai pas ce barrage. Donc on peut voir qu'en nourriture, je suis un petit peu limite. Mais j'ai le temps parce que j'ai encore les baies ici, si jamais. Les baies qui vont directement se chercher là-dedans. Hein. Parce que vu que je ne stocke pas les baies, ben ils vont les chercher là-dedans directement. Et donc là, pour l'instant, tout va bien. Vraiment, la sécheresse ici ne me pose plus aucun problème puisque j'ai ce barrage-là qui devrait pouvoir me permettre de tenir avec toute l'eau stockée ici. Et c'est quelque chose qui va être très important pour conserver mon irrigation. Les arbres, à mon avis, ne sont plus irrigués au fond là-bas. Malheureusement, c'est comme ça. En termes de bûches, vous voyez, je produis masse de chez masse. Et c'est parfait grâce notamment à l'érable. Hein. L'érable qui produit énormément. Donc là-haut, ils ont même planté les carottes. Pour vous dire à quel point ils ont faim, les types. Et là, les bûches, vous voyez, ça s'amoncelle, quoi. C'est cool. C'est vraiment cool. Maintenant que j'ai mes bûches, je vais pouvoir me faire des petits aménagements, genre des escaliers, ici, que j'avais prévu, hein. J'avais prévu de faire ces escaliers-là. Pour pouvoir, eh bien, agrandir. Parce que maintenant, ça y est, j'ai une production de planches qui est stable. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Ouais, il faut tout prévoir dans ce jeu. Il faut vraiment avoir plusieurs coups d'avance. Il faut vraiment avoir plusieurs coups d'avance. Donc là, maintenant, le bois, enfin, ça, ils vont pouvoir produire en masse, sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que je vais débloquer le grand entrepôt assez rapidement. Mais d'abord, j'ai besoin d'un deuxième petit entrepôt que je vais mettre temporairement ici et sur lequel je veux stocker le bois. Les planches, voyez. Parce que je sais très bien que les planches, je vais en avoir besoin en masse. En masse de chez masse. Je vais peut-être même faire une deuxième série. Tellement je vais avoir besoin des planches en masse de chez masse. Et la deuxième série, ici j'ai la place. Bah oui, regardez, hop. Je me suis totalement gardé une place pour me faire une deuxième série ici. Elle a été construite à une vitesse phénoménale. Parce que maintenant que je vais me servir des planches en pagaille de chez Pagaille, et voilà. J'ai ma deuxième série qui est opérationnelle directement. C'est beau, hein? Avouez que c'est beau. Avec mon entrepôt ici qui ne stocke que les planches. Ce qui me va très très bien, d'ailleurs. Soit dit en passant. Mais une fois que je vais avoir beaucoup de planches, j'espère en avoir beaucoup beaucoup, hein? Là, ici, vous voyez, ce sont des petits passages, des petites plateformes qui n'empêchent pas le passage. C'est plutôt bien, d'ailleurs, comme truc. Hein.
Ces champs là, on va les raser? Voilà. Parce qu'ils servent à rien ces champs-là maintenant. C'est bon, j'ai de la nourriture, etc. etc. Regardez, les carottes ici sont arrivées à terme. Le tournesol arrive à terme. Donc j'ai de la nourriture. Là, je vais passer tout le monde en planting maintenant. En just planting. Et salut Xags! Ça va? Et là, vous voyez, on est en période de sécheresse. J'avais même pas remarqué, personnellement. Je le vois ici parce que bah, c'est sec. Ça va, bof? Qu'est-ce qui t'arrive? Et ici donc? Ah, tu t'es un peu isolé sur Tarkov? Bah ouais, désolé, hein, mais Tarkov, moi ça m'intéresse pas. Pas d'interaction sociale, lol. Et donc, comme je l'avais prédit, regardez, le niveau d'eau ici baisse plus vite qu'ici, ce qui fait qu'ici, le niveau d'eau tiendra plus longtemps plus tard, d'accord? Gardant cette petite zone irriguée, et me gardant notamment l'accès aux baies. Pas ton truc? Ah ouais. Je peux le comprendre, Xyze. Je peux le comprendre. Donc là, il me reste 3 jours de sécheresse. Tout va bien, j'ai du bois. J'ai beaucoup de bois. Regardez-moi l'érable là qui pousse. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un mode offline. Ah, ça y est, ils ont wipe. Oh, c'est cool. Je me disais aussi qu'il y avait beaucoup de streamers actuellement sur Tarkov. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ma nourriture est totalement en train de suivre. Je vais manquer clairement de stockage. Pour ma nourriture. Les planches, j'en génère énormément. Et je vais en générer de plus en plus. Je vais peut-être déverrouiller le grand entrepôt. Voyez. Pour pouvoir eh bien faire toujours plus de nourriture, quoi. C'est Timberborn, ouais. Et là, ça stocke 1000, ça. C'est énorme, 1000. Incroyable. Donc, on va autoriser les baies, les carottes, bien sûr. On va autoriser, du coup, les graines de tournesol et les patates. Ainsi que les patates grillées. Et là, avec ça, logiquement, je suis bon, là. Puisque vous l'avez compris, on va faire les patates grillées très très vite. Ben franchement, c'est un jeu super sympa. C'est Timberborn, comme j'ai dit, du coup. Et franchement, il est bien 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 sympa. Vraiment bien sympa. Et donc ça, maintenant, je peux le construire là-haut. Je peux le construire là-haut en faisant une petite route, comme ceci, par exemple. Qui me permet du coup de surélever mon truc. J'aurais également pu surélever l'entrepôt, mais bon, c'est un peu plus long à y aller. Donc, du coup, je me dis que lui, il aura plus facile de faire des déplacements que eux. Puisque les fermiers, là, ils sont là, ils ont les patates tout au bout. Vous voyez, les patates, d'ailleurs, c'est quand c'est en vie, c'est magnifique. Hein. Et vous voyez, la sécheresse, je ne l'ai pas ressentie pour le moment. Ici, j'ai encore beaucoup d'eau. Ici, j'ai encore pas mal d'eau. Franchement, la sécheresse, je ne l'ai pas ressentie. Et ça, c'est le pied. Et là, vous voyez, poum, les planches, directement, elles sont parties, quoi. Les planches sont directement parties là-dedans. J'ai privilégié ceci, d'ailleurs. Afin de pouvoir utiliser les patates grillées ici. Et comme ça, les patates, je vais pouvoir directement les exploiter et créer une troisième source de nourriture. Enfin, une quatrième source de nourriture, du coup. Et franchement, moi, Xax, ouais, je m'amuse beaucoup sur des jeux de ce type-là, tu me connais, hein. Tu sais très bien que je m'amuse beaucoup sur ces jeux de type jeu. Sur ces jeux de ce type de jeu-là. Du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir aller chercher également l'éolienne. Et ceci. L'éolienne, dans le but. Bah, de pouvoir faire, enfin, mon atelier d'engrenage. Et vous voyez tous ces points de science qu'on a stackés depuis le début, là. Mais ils sont ultra importants pour moi maintenant, parce que du coup, ça me permet de faire tout ça directement. Et donc lui, là, vous voyez, je l'ai quasiment one shot. Également, là, ces petites citernes, ça va un temps, mais il y a des plus grosses citernes qui existent.
Et les grandes citernes, ce sera toujours beaucoup plus intéressant que les petites. Les grandes citernes prennent certes plus de place, si on regarde par là. Mais je vais pouvoir en caler pas mal. Et ici, là, ça va être full grande citerne. Hein. Va pas falloir s'étonner. Hein. Et après, franchement, Xag, je te sors, t'as regardé, la sécheresse est terminée. Je n'ai pas manqué d'eau à une seule seconde. Et ça, c'est tellement bien. Tellement, tellement bien. Hop! Mais eux, ils sont heureux. Ils ont eu des patates grillées en plus. Très bien. Je vais également pouvoir leur faire des loisirs maintenant, peut-être. Et notamment, ici, pourquoi pas. Alors, ce qu'on peut faire en loisir, c'est un premier toit terrasse. Ça mange pas de pain. Voilà. Et franchement, Xax, le jeu, c'est Timberland du coup, hein, tu l'as découvert certainement avec Zerator et compagnie et compagnie. Il est super sympa. Il est vraiment super sympa. Super, super sympa. C'est incroyable comme ce jeu est sympa. Franchement. Hein. Et voilà, j'ai des patates grillées, j'ai du bois, j'ai tout qui rentre, etc. etc. C'est la fête hein, chez moi. Je vais commencer par détruire ces stocks de là. Parce que ben, je vais les raser. Hein. Et on va pouvoir faire rapidement mes gros stocks d'eau. Pour mémoire, ils prennent 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, je vais pouvoir le construire là. Alors, chaque fois, il faudra une petite route. C'est le truc. Et là, en bas, mettons, il va y en avoir 6 précisément. Hein. Donc là, ça va me faire 1, 2, 3, 5 gros stockages d'eau. À 300 de capacité de stockage de chaque truc. Par contre, pour ça, il faut des engrenages. Et ça, j'y ai pas pensé. Pause. On arrête de vider, s'il vous plaît. Il me faut d'abord faire les engrenages. Et regarde Xax. Franchement. Franchement, c'est pas. Il est pas sympa ce jeu là. T'as les arbres qui poussent, t'as l'eau qui se pompe, t'as les champs, etc. etc. T'as les petits castors qui trimballent des caisses dans tous les sens. Ils peuvent aller au-dessus, ils peuvent aller dans les entrepôts, ils vont cueillir des trucs, etc. etc. Moi franchement ce jeu je kiffe. Ouais, t'as vu la pub, bah ouais. Bah il était en promo à un moment donné, puis je l'ai acheté. Et j'y avais pas joué de suite. Et c'est Et c'est avec Johan que je l'ai découvert parce qu'on cherchait un truc à faire forcément hein, le soir. Et du coup j'ai lancé ça et franchement je regrette à zéro. Je regrette zéro. Il est excellent ce jeu. Il est vraiment excellent ce jeu. Il est incroyable. Tu te swap mute pour jouer à Tarkov, lol. Mais t'es à fond toi actuellement sur Tarkov, ma parole. Hein. T'es un peu à fond non sur Tarkov actuellement toi. Et salut Sam Geek, ça va bien? Bah écoute, ça va super. Regarde, on joue à Timberborn ce soir. C'est un petit jeu de gestion, construction, qui est super sympa, à la style Banished. Je sais pas si tu connais Banished. Et franchement, je m'amuse énormément dessus. C'est le type de jeu sur lequel tu ne vois pas le temps passer. Le type de jeu qui est super sympa. Ah, c'est que tu vois vraiment pas le temps passer. Bon, lui, forcément, il a plus de patates, hein. Bah oui, forcément, il a plus de patates. Et chaque patate, ça produit combien? 4. Ah ouais, une patate, ça produit 4 patates grillées.
Oh, c'est cool ça. Peut-être augmenter la plantation de patates, moi. On va augmenter la plantation de patates.